elle dit que les problèmes socio-économiques et politiques qui frappent le monde islamique, terrorisme, pauvreté, dictature, faiblesse du niveau scientifique, peuvent s'expliquer, au moins en partie, par un mal dont souffrent, dont elle dit bien souffrent, tous les musulmans, quelle que soit leur culture, et que ce mal est une conception dévoyée de la sexualité. Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas tous les musulmans. C'est pas vrai. Bon. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dont souffrent, elle dit, dont souffrent les musulmans. Il y en a qui réussissent à échapper à cette souffrance, mais est-ce que le problème central n'est pas là ?